Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo haul où je vais vous présenter tous les petits achats que j'ai effectués dernièrement, sachant qu'il y a pas mal de choses à petit prix que j'ai pu trouver, j'ai eu pas mal de chance et j'ai partagé le bon plan sur Instagram et mon Twitter. C'était notamment des offres chez Hyperu avec des produits de beauté. Il y avait des offres particulières en fait, il y avait déjà des remises et il y avait 50% supplémentaires sur les remises. Donc si vous aviez 60 centimes en moins sur un produit, ça vous faisait 1,20€. C'était pas mal, hein? Et pour le coup, j'ai pris des trucs pas mal, dont certaines choses que j'avais très envie de tester depuis un moment, notamment le Nude Magic BB Blush. J'allais dire BB Cream, tellement on a l'habitude de voir des BB Cream. J'étais pas du tout tentée par la BB Cream, mais très tentée par le BB Blush. Tout simplement parce qu'en fait, le principe, c'est un blush qui va se colorer selon le pH de votre peau. Et c'est un genre de principe que j'adore. C'est vraiment le principe que j'aime. J'ai déjà un stick chez Sephora, je vous le montrerai prochainement, vous montrant comment l'utiliser, ce que ça donne. Mais je présenterai également celui-ci qui est une teinte universelle, qui est censée être en fait une teinte qui s'adapte à votre peau. Mais ça va s'adapter au pH. Et je trouve que c'est pas mal du tout ce principe, c'est rigolo en fait. C'est vraiment le côté ludique qui me plaît bien. C'est léger, je pense. Et je pense qu'on peut faire des choses pas mal avec. À voir pour les ados, pour les filles pressées, je testerai tout ça et je vous en parlerai. Le prix normal c'est 8 ou 9€ je crois, mais j'ai eu une grosse remise donc c'est pas mal du tout. Il y a autre chose que j'avais bien envie de tester, c'est l'Instant Anti-Âge, le lifter de Maybelline. Je suis rarement déçue des fonds de teint Maybelline. J'étais très contente du Dream Satin Fluide, très contente également d'un autre qui m'échappe. Je ne sais plus lequel, peut-être un ancien, mais celui-ci. J'avais très 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 envie de le tester par rapport au côté, pas liftant, mais je sais que ce genre de fond de teint est vraiment très hydratant et a un joli fini. Un peu comme leur ancien fond de teint Instant Anti-Âge. Je ne sais pas s'ils le font encore, il me semble que oui. Je ne sais pas si la texture est la même, la formule est la même, mais je trouve ça vraiment pas mal. Donc je testerai, je vous dirai, et je pense être encore une fois beige doré comme je le suis à chaque fois chez Maybelline. Alors ce fond de teint, je sais qu'il coûte, ça dépend hein, des magasins, mais en tout cas Hyperu, j'avais vu à 9€, je trouvais que c'était déjà pas cher à la base. Il y avait un petit, je sais plus, c'était 1€ ou 60 centimes de remboursé, et avec toutes les promos, je l'ai eu à 6 ou 5€, c'est vraiment pas cher, donc je me suis dit, autant l'avoir pour pouvoir bien le tester. En plus, je suis sûre qu'il va me plaire, c'est le genre de truc qui me plaît bien au niveau de la formule. Si vous avez suivi ma petite routine acné, vous savez que j'ai besoin de protection solaire, ou peut-être que vous ne le savez pas. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça. C'était à 10€, il y avait 1€ de réduction et au final je l'ai eu pas cher aussi, à 7€ je crois. Et c'est un protecteur solaire indice 30. Texture fluide, non grasse, je me suis dit ça peut être vraiment pas mal en dessous de mon maquillage. Je testerai ça et je suis sûre que ça me sera très 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 utile. À Hyperu, j'ai trouvé donc toutes ces réductions, mais si vous ne les trouvez pas, je sais que je crois que c'est jusqu'à demain. Peut-être demain, il me semble que c'est jusqu'au 15 peut-être même. Il y a des réductions chez Carrefour. Dans la petite partie beauté. Donc regardez, on sait jamais. Si vous me suivez sur Twitter, Instagram et sur mon blog, vous savez qu'il y avait 30% chez Bourjois remboursé en différé sur vos achats jusqu'au 31 mars. J'ai donc pris un fond de teint pour moi à la base. Donc c'est le 1, 2, 3 Perfect. Et le truc, c'est que je me suis fiée à un blog, une fille qui était NC35 comme moi chez MAC, qui utilisait la teinte 55. Mais la teinte 55 est beaucoup trop foncée pour moi. Je dirais qu'elle est deux teintes. Voire trois teintes plus foncées que ma carnation. Alors je le donnerai à ma maman. Avec un petit peu de crème hydratante, je pense que ça passera. Je l'ai essayé rapidement juste pour voir un peu la texture, la couvrance, etc. Au niveau de la couvrance, c'est extrêmement couvrant. Je pense que ça peut être vraiment pas mal pour les personnes qui sont à la recherche d'un fond de teint couvrant à prix correct. Donc oui, beige foncé numéro 55, c'est pas du tout pour moi. J'aurais dû peut-être prendre le 52, je pense. 52 voire 53. À voir. Mais j'ai pris donc ceci pour moi, j'avais pris un fond de teint pour ma maman, le Flower Power. Flower Perfection. Flower Power. Et j'avais pris aussi un crayon Kohl parce que j'ai un autre crayon que j'avais eu chez Bourjois que vous verrez dans un tutoriel parce qu'il faut que je l'utilise tant il est magnifique. Un crayon vert, oh là là, en muqueuse, il est splendide avec un petit rat de cils fumé. Je vous en dis pas plus. Et concernant ce 1, 2, 3 Perfect, dommage parce que les promesses étaient pas mal. Pigment jaune anti-cerne, pigment mauve anti-terne, pigment vert anti-rougeur. Par contre, j'ai remarqué un truc qui est assez drôle, c'est qu'il est beige sans aucune nuance de jaune ni de rose. Donc c'est vraiment une teinte neutre. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un fond de teint comme ça peut être pas mal parce qu'il me semble que pas mal de teintes sont neutres comme ça dans cette gamme 1, 2, 3 Perfect. Alors là, I love it. Je vous en avais parlé, je crois, dans une vidéo du Rouge Édition. Numéro 11. Alors j'ai le 4, j'ai le 17 et maintenant j'ai le 11, c'est celui que je porte. Et je le porte en association avec un gloss qui m'a été offert par Bourjois,
qui est ici normalement. Oh, magic. C'est le gloss Bébé Gloss 5 en 1, numéro 2, parce qu'il y a deux teintes. Pour le côté Bébé Gloss, c'est pas un gloss qui va prendre la teinte de vos lèvres ou autre, parce qu'en fait, il est déjà clairement teinté. Mais il est vraiment super. Je suis fan de ce gloss. Et du coup, ça me donne envie de tester d'autres gloss bourgeois parce que je les trouve pas collants. Et je les trouve plutôt hydratants même, je dirais. C'est assez particulier et j'aime bien. En fait, je viens de comprendre là, le principe de Bébé Gloss 2 en 1. Je viens de voir qu'il était écrit sur le côté. Peau médium. En fait, je pense plutôt que c'est une petite... comment dire, un conseil. Donc si vous avez la peau médium, on vous conseille la gamme orangée. Et si vous avez la peau claire, on vous conseille la gamme rosée. Je pense plutôt que c'est ça et que c'est pas à confondre avec la fameuse appellation bébé qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ce rouge à lèvres, je l'aime bien parce qu'il est très opaque et malgré le fait qu'il soit légèrement nacré, ça n'a pas du tout un effet perlé, c'est un effet qui donnera en fait un fini satiné presque. Donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres et je vous le recommande vivement. Alors là, je sais que vous allez me détester les filles, mais lorsque j'avais fait mon haul NARS, j'avais déjà préalablement partagé le code promo sur mon blog, sur Twitter, etc. Donc il y a certaines personnes qui l'ont raté, et là c'est qu'ils n'ont pas pu en bénéficier. Vraiment regardez bien mon blog, etc. parce que je ne peux pas me permettre de tourner une vidéo à chaque fois que j'ai un bon plan. Je pense que vous me comprendrez. Et du coup c'est vrai que je partage l'info plus sur Twitter ou Instagram, donc regardez bien. Et j'ai pris la fameuse poudre libre qui s'appelle la Light Reflecting Setting Powder. Je l'ai pris en loose, donc c'est une poudre libre et non pas une poudre compacte qui existe déjà chez Sephora, chez NARS bien entendu. Mais la poudre comme ceci, libre, Reflecting Powder, n'existe pas chez Sephora. Non, non, non. C'est une exclusivité du site et j'avais très envie de la tester, j'avais très envie de voir si elle réfléchissait si bien la lumière que ça et si elle laissait transparaître le teint sans couvrant supplémentaire. Je pense que c'est pas mal ce genre de truc pour le printemps et pour l'été. C'est ce que je porte. Je voulais vous faire un côté avec la poudre et l'autre pas. Je me suis dit bon, je vais garder ça pour la petite revue parce que je l'aime déjà beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Quoique j'ai bien envie de vous dire qu'au niveau des pores, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté pore flouté. Vous verrez ma revue parce que je pense que ça sera quand même quelque chose de dithyrambique, hein, je vous préviens par avance. Par contre, ce qu'il faut que je fasse impérativement, c'est des photos pour voir si il y a justement cette fameuse poudre blanche en dessous de l'œil, comme on voit avec la poudre HD généralement, puisque le flash se reflète sur la poudre. À voir. J'avais essayé sur mon iPhone, je n'ai rien vu, mais on va essayer quand même avec un appareil photo, avec une revue approfondie. Cette poudre, elle coûte quand même 36€, mais dans la mesure où j'ai eu des méga miniatures de la mort qui tue, donc le mini Laguna et le mini Orgasm dans le petit pochon, je me suis dit, ben, autant la tester, sa super poudre. Alors là, j'ai écouté pas mal mes abonnés pour cet achat, tout simplement parce que après avoir testé le PMD, je pense que vous avez vu là cette catastrophe horrible au niveau de ma peau, ce qui s'est passé, c'est ignoble. Et là, ça va un petit peu mieux, j'ai encore quelques marques résiduelles, mais, parce qu'il y a un mais, vous m'avez beaucoup conseillé le Cleanance d'Avène et j'ai quasiment toute la gamme Avène, mais seulement la gamme pour peau sèche, puisque j'avais la peau sèche auparavant, normale à sèche, et que maintenant j'ai la peau grasse, mixte. Et a tendance à avoir des imperfections, même clairement acnéiques. Alors j'ai pris Cleanance pour commencer, peut-être que plus tard je m'orienterai sur Triacnéal, c'est très sexy comme nom. Et donc j'ai trouvé Cleanance dans une pharmacie à 7€ les 300ml. Je l'ai vu, 6€ les 200ml il me semble. Et il y a pas mal d'offres comme ça, mais vraiment ouvrez l'œil parce que je trouve que c'est super cool. Concernant le gel, je l'ai utilisé pendant près d'une semaine. Oui, quasiment. Et vraiment, je comprends toutes les éloges que j'ai eues sous cette vidéo PMD avec la catastrophe, etc. Le Cleanance d'Avène, il est vraiment bien, je le trouve pas mal du tout, il est pas séchant. En tout cas, je le trouve moins séchant que l'effet Aclar. Et j'irais presque plus actif que l'Iséac du Riage, vraiment. Donc moi, je le trouve vraiment pas mal. À essayer pendant une bonne période. Alors moi déjà à la base je suis fan des produits Avène et je me suis dit que j'allais aimer. Moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est la composition. Il y a quand même des choses assez soft pour un gel moussant spécial peau acnéique alors qu'habituellement on a des produits plutôt axés sur on va dire tout ce qui est antibactérien. Donc là j'ai changé ma petite routine, Cleanance remplace
l'Iseac pour l'instant. Bon, alors concernant Hyper Rouge, j'ai trouvé ça génial. J'ai pris pas mal de déodorants qui sentent super bon là. Mon déodorant Grenade des Açores d'Ushuaïa, je le trouve vraiment pas mal en termes d'odeur. En termes d'efficacité, j'en ai d'autres qui sont plus efficaces si ça vous intéresse que j'en parle, puisque j'en ai parlé il y a super longtemps, il y a quelques années dans une vidéo et ça vous avait pas mal plu parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver un déodorant qui nous convienne. Catastrophe. Là, j'aimerais vous montrer un petit achat chez Manoukian. Alors, pour une fois, il y a des vêtements dans mon make-up haul, mais c'était vraiment un très 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 bon coup parce qu'en fait, en février, j'ai acheté ces sublimes gants en solde. Je les trouve magnifiques. Des gants en cuir à 10€, c'est du jamais vu, surtout quand ils sont aussi bien travaillés. Je vous montre ça tout de suite. Et lorsque vous faites la carte Manoukian qui est gratuite, vous avez 15€ utilisables sur n'importe quel montant dans les 2 mois suivant votre achat. Et là, en fait, oh, ils sont super beaux, j'aime trop. Avec des petites surpiqûres. Et du coup, j'y suis retournée le dernier jour. Hein. Bien sûr, je fais toujours tout à la dernière minute. Et j'ai trouvé un foulard absolument magnifique. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur énorme. Je trouve splendide. Déjà que je voulais un foulard corail, j'ai été vraiment ravie parce qu'il y avait ce côté ligne argentée qui est vraiment très sympa. Donc ça fait comme un effet rayé. Et je trouve que ça réchauffe le teint et ça apporte vraiment un effet bonne mine. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Il est beau, je vous assure. À ne pas porter avec un rouge à lèvres corail et un maquillage corail autrement. Moi, je trouve que c'est vite un petit peu too much. Mais il est super beau, j'aime beaucoup. Et du coup, je l'ai eu à 20€ au lieu de 35 parce qu'il coûte 35€. Ça peut paraître cher, mais c'est vraiment une très belle étole. J'en ai une autre de chez Manoukian. Et franchement, ça dure vraiment bien, ça a une bonne tenue, j'en suis vraiment ravie. Alors voilà les filles, nous avons terminé notre haul. J'espère que ça vous aura peut-être permis de découvrir certaines choses. J'aurais bien aimé ouvrir le Nude Magic Baby Blush. On va faire ça tout de suite. Attention, il faut un tout petit peu de produit. Hein. Donc, quelle est la couleur qui va s'appliquer sur ma peau? Eh, c'est sympa, ça donne un petit côté... J'allais dire joue mordu, joue pincée, vraiment c'est naturel, ça donne un petit côté jogging en fait. Je pense que ça peut être cool sur les joues. Au niveau de mon doigt par contre, ça a pris une coloration très flashy. J'ai tellement été subjuguée par ce blush que j'ai continué mes swatchs mine de rien, mais je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! Bursting through a blood red sky, a slow landslide, and the world we leave.